Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Henri Poupart-Lafarge. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG d'Alstom. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui parce qu'on a beaucoup, beaucoup parlé de trains ces derniers jours et ces dernières semaines en France. On se souvient de cette double inauguration des nouvelles lignes TGV qui a eu lieu le week-end dernier vers Rennes et vers Bordeaux. C'était vos trains, c'était ces nouveaux TGV dont on a beaucoup fait la promotion. Et puis en même temps, comme dirait l'autre, on a dit aussi que désormais la France n'avait plus les moyens d'ouvrir de nouvelles lignes, de faire de grands projets d'infrastructure ferroviaire. Est-ce que ça veut dire pour vous, pour Alstom, que le temps des vaches maigres est arrivé ? Non, pas du tout. D'abord, les enjeux du ferroviaire et les enjeux de la mobilité en général sont assez clairs. Il y a un enjeu en termes d'offres, puisqu'il y a de l'offre insatisfaite, que ce soit en termes de quantité, on voit des villes engorgées, ou en termes de qualité, l'accessibilité. Donc, il y a encore des perspectives pour le rail beaucoup de perspectives. Et pour le train. Et je dirais, il y a beaucoup de grands travaux aujourd'hui. Mm-hmm. En réalité, quand vous regardez ce qui se passe autour du Grand Paris, c'est deux à trois fois ce qui a été fait sur les lignes TGV. Donc on voit que la réponse à cette demande d'offres est là, existe et continuera. Ça, c'était le premier enjeu, mais il y a d'autres enjeux avec le train. Il y a d'autres enjeux. Il y a un enjeu d'efficacité très important, où le système ferroviaire dans son ensemble, mais je dirais le système de transport dans son ensemble, doit devenir plus efficace, plus économe. Et là-dessus, je fais une parenthèse, le gouvernement a envoyé des signaux qui sont assez clairs quand même. On a vu une interview de la ministre Elisabeth Borne qui a dit qu'il va falloir maintenant effectivement rentrer dans cet enjeu d'efficacité et que l'ensemble du système ferroviaire soit capable de générer des économies. Là-dessus, c'est… C'est très clair, absolument. Et elle l'a souligné. Ce souci d'efficacité, il est à tous les niveaux. Il est au niveau du système complet, c'est-à-dire qu'il faut optimiser les infrastructures ferroviaires, il faut les utiliser de manière plus forte, optimale. Il faut que le jeu entre les acteurs soit optimisé. Et puis nous, on travaille aussi, bien sûr, à l'efficacité des véhicules, du TGV. On travaille avec la SNCF, comme vous savez, sur le TGV du futur, qui sera 25% moins cher à l'acquisition, 30% moins cher en opération. Donc on s'inscrit totalement dans cette logique d'amélioration de l'efficacité des systèmes. Il y a un troisième enjeu pour le transport de façon générale et dont on parle finalement relativement peu. Je crois que c'est une frustration un petit peu chez vous, c'est l'enjeu écologique. C'est-à-dire que le train, par rapport à d'autres modes de transport, il a quand même une grande qualité. C'est son impact environnemental relativement faible. Ça, là-dessus, c'est quelque chose dont vous voudriez qu'on fasse une priorité demain ? Absolument. Il faut savoir que le transport est responsable de 30% des émissions de CO2. Mmh. Et malheureusement, dans les dernières années, cette proportion n'a fait que s'accroître. Peut-être parce que, comme vous le soulignez, nous n'avons pas mis assez l'accent sur l'impact environnemental des modes de transport. Il est temps de le faire et je pense qu'à l'image de ce qui a été fait dans l'énergie, nous sommes à la veille de la transition écologique des transports qui, comme pour l'énergie, engendrera des révolutions très importantes. Alors, quand on parle de la transition écologique pour le transport, on pense souvent à la bascule pour les voitures, on va dire des motorisations, en gros passer du diesel ou de l'essence à l'hybride et à l'électrique, mais il y a effectivement aussi la bascule entre les différents modes de transport et c'est là où le train a quelque chose à jouer, c'est-à-dire le train, le transport urbain, le métro, le tramway peuvent remplacer demain la voiture davantage. C'est aussi ça qu'il faut, cette proportion-là qu'il faut réussir à faire bouger ? Exactement. Les deux tendances fondamentales, c'est d'une part l'optimisation de l'utilisation, et donc c'est tout ce qui est partagé, donc le transport collectif, public, la voiture partagée, bien évidemment les transports ferroviaires partagés, et puis l'électromobilité. Alors le train est l'épine dorsale de ce nouveau système, puisqu'il est à la fois extrêmement partagé, c'est de très loin le système le plus dense, et il est électrique de façon native. Les autres modes s'adaptent, la voiture va devenir partagée, la voiture va devenir électrique, et l'ensemble fera un système plus efficace. Et si on se projette à un petit peu plus long terme, quand on parle de voitures autonomes notamment, est-ce que ce n'est pas là votre pire concurrent pour les transports en commun ? C'est-à-dire demain, j'aurai le choix, j'aurai éventuellement des systèmes de voitures autonomes et de voitures partagées très efficaces. Est-ce que ce ne sera pas plus confortable, plus facile, plus pratique que le train ? Non, en réalité, c'est notre meilleur allié. La voiture, autonome ou pas, est extrêmement consommatrice d'espace par rapport au train. Vous savez, par voiture, c'est un passager pour 10 mètres carrés. Dans le train, c'est plutôt 10 passagers pour 1 mètre carré. Donc on voit que le train est beaucoup, beaucoup plus efficace en termes d'occupation de l'espace. Donc dans toutes les zones denses, là où il y aura un besoin fort de mobilité, le train sera la réponse. En revanche, pour permettre aux gens d'aller de leur domicile, de chez eux, au système ferroviaire,
évidemment, la voiture autonome sera beaucoup, beaucoup plus efficace que ce qui est offert aujourd'hui. Très bien. Merci Henri Poupart-Lafarge. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Merci, au revoir.